Deuxième étape de notre personnalisation, nous allons personnaliser la page d'accueil de notre site. On va commencer déjà par modifier ici le logo qui apparaît. Moi, j'ai Rando Aventure, vous, sur votre boutique, vous avez My Store. Comment je fais? Je vais dans le Back Office. Je vais dans Module, excusez-moi, dans Apparence, Thème et Logo. Là, je peux ajouter un fichier. Donc, mon logo, je l'ai déjà mis quelque part. Vous l'aurez sur votre cloud, ou bien vous le téléchargerez. Ouvrir. Rando Aventure. Vous enregistrez. Et quand vous allez sur votre boutique, vous mettez à jour. Rando Aventure apparaît. Deuxième étape, nous allons paramétrer le carrousel. Donc mettre ici les trois photos qui vont apparaître dans notre carrousel. Je vais vous montrer que pour la première, vous ferez les deux autres après, tranquillement. Donc je vous rappelle quelle photo je vais mettre, celle-ci avec nouvelle gamme. Donc je prends thème logo, module, module de service. Ça va être maintenant ce que je vais utiliser le plus souvent. Module installé. Je descends sur ici carrousel, configurer. Quand je descends le fil vers le bas, je vois ici ma première photo. Je fais modifier. Modifier, revenir. Voilà. Et je choisis ma photo. Donc c'est celle-ci. Ouvrir. Comme titre, je lui mets ici, donc, nouvelle gamme VTT. Nouvelle gamme VTT, donc c'est ce qui va apparaître en gras au début. Et donc ici, comme texte qui accompagne, je mets donc, venez découvrir nos machines. Nos machines. J'enregistre. Je retourne sur boutique. J'actualise. Et voilà. Donc les deux autres, vous ferez de la même façon. Maintenant, les produits populaires. Module et services. Je prends donc ici, pareil. Je descends, on est module installé. Je descends. Donc c'est quoi? C'est produit phare, configuré. Par défaut, c'est le 2 qui est mis, j'ai mis 4 et j'ai mis ici, vous mettrez vous. Donc produit, la catégorie des produits affichés, c'est enduro. Je mets que nombre 4 produits affichés, j'enregistre. Et maintenant, lorsque vous allez sur votre site, vous mettez à jour. Donc les produits populaires qui apparaissent, ce sont les produits VTT Enduro. Je continue. Je vais mettre maintenant à jour ma bannière, où je vais pouvoir mettre en avant donc ma promotion de 5%. Je repars. Donc module service, module installé. Donc c'est en dessous, c'est bannière, configurer. Je vais choisir mon fichier. C'est celui-ci, bannière VTT. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, je vais lui appliquer un lien. Comme cela, lorsque les gens cliqueront sur cette bannière, ils iront directement sur la page VTT. Donc si je vais ici, la page VTT, voilà, je sélectionne l'URL, CTRL-C, que je colle ici, CTRL-V, voilà. Description de la bannière, là c'est la promotion, donc promotion VTT. J'enregistre.
Je continue dans ma mise à jour. Maintenant, je vais avoir, donc ici, si je regarde bien, hein, je recommence, je vais sur ma page d'accueil en cliquant sur le symbole. Et je vois ici ma nouvelle bannière. Il ne reste plus qu'à mettre un texte ici. Donc, je continue ici. Module et service. Module installé. Alors, c'est quoi? C'est bloc de texte personnalisé. Non, excusez-moi, upgrade. Configurer plutôt. Voilà. Donc, j'ai enregistré déjà un texte sur Word qui est ici. Je vais recopier. Je supprime ce texte-là. Je colle l'ancien. Le nouveau, pardon. Enregistré. Alors, ma boutique maintenant. J'ai bien avancé. Ça ressemble plus à une boutique de BTT.